Ben, ça a l'air d'être la grande forme. C'est à cause d'Inès, c'est ça? Je veux pas vous saouler encore une fois avec mes histoires. Tu me saoules pas, je t'ai dit. Vas-y, raconte, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a en cortège. Je peux même plus proposer un ciné à mes potes. Elle a peut-être l'impression que tu cherches des prétextes pour être avec elle. Attention, hein, je la défends pas, j'essaie juste d'expliquer sa réaction. C'est pas de raison pour me traiter comme une merde. Qu'ils me disent non, ok, mais elle est pas obligée d'être blessante. À mon avis, elle a pas encore digéré que tu l'as trompée. C'est pour ça qu'elle t'en fait voir toutes les couleurs. C'était une fois. Et je me suis excusé. J'ai tout fait pour me rattraper. Mais justement, à trop vouloir en faire, tu le fais encore plus payer. Faut pas que tu rentres dans son jeu. Sauf que moi, c'est pas un jeu, je suis sincère. Cette connerie, je regrette de ouf. Mais elle me croit pas. Bah si, elle te croit justement, c'est pour ça qu'elle te le fait payer. Elle sait que tu culpabilises. Je voudrais juste retrouver des rapports normaux. Alors arrête de lui donner une prise sur toi. T'as fait une connerie, ok. Mais c'est pas un crime non plus. Puis elle a peut-être une bonne raison. Ça, c'est typique des filles, ça, de vouloir faire culpabiliser les mecs. Je sais pas, ça leur donne l'occasion d'être des victimes, elles adorent ça. À un moment donné, ça va, faut arrêter. Faut arrêter de demander aux mecs de s'excuser sans arrêt. C'est clair. Bon, allez, je te laisse.